Contactez-nous. Rendez-vous info. Bonsoir tout le monde. Qui vient nous y aujourd'hui? Non pas, c'est Valerio, c'est lui, depuis studio nous, dans Washington DC, où on a rendez-vous info. Nous paraît, si nous paraît, nous même dans VOA Creole, nous paraît pour nous casser mon actualité ensemble avec vous. Mes amis, mes grands titres actualité nouvelle. Yo. Donald Trump a organisé premier rassemblement campagne qui était fait dehors depuis que le si vive tentative assassinat ça qui était fait contre lui mois passé. Moyen-Orient plus passé 100 000 résidents Gaza continuent de déplacer en bas l'ordre l'armée Israël. Haïti, gouvernement, ensemble avec secteur concerné, a mené consultation pour formation, conseil électoral provisoire. Et puis, premier ministre haïtien Gary Conille réagit sous sanctions que les États-Unis prennent contre ancien président Michel Martelly. Grand titre, ça y a exode pour le développer pour journée jeudi à un bulletin nouvelle, nous qui c'est rendez-vous info. Nous pour aller dans la ville Chicago. Mais juste avant, nous pour aller faire connaître que c'est Jacqueline Bélizère qui s'est envoyé spécial nous depuis ville Chicago, qui a rapporté à nous qui Jean convention Parti démocrate a déroulé. VOA Creole dans United Center pour convention nationale Parti démocrate là. Restez branchés pour capable d'avoir toute information. Défilé grande personnalité, grande figure Parti démocrate là, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden et très naturellement Kamala Harris avec Tim Walz. Donc restez branchés sur VOA Creole pour capable d'avoir toute information ça. Nous c'est VOA Creole, c'est nous qui a fait ça. Moi c'est Jacques Lévinisé. Collaborateur nous, Jacques Lemélisère, qui sous place, cap gardé, cap tendé et cap suivre pour de très près qui Jean Convention Parti démocrate a déroulé dans ville Chicago. Nous allons rejoindre Jacques Lemélisère depuis ville Chicago. Jeudi à ses quatrième journée, hein, Jacques Lemélisère, dis-nous, jeudi à, finalement, c'est jour final, là, c'est le grand jour quand même pour Parti démocrate là. Mais juste avant, peut-être nous avons fait nous un rappel de journée hier, Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir Valério, tant qu'on dit le jeudi, c'est pratiquement ça, oui, en français, le compte à rebours. Jeudi, c'est jour J, côté que Kamala Harris, lui-même, il pral fait discours d'acceptation. Mais hier, c'est un gros jour tout, parce que c'était Tim Walz, gouverneur Minnesota, lui-même qui t'a prononcé discours d'acceptation, côté que grand pile monde qui considérait discours ça comme un discours d'introduction. Côté que monsieur exposé tête li histoire li histoire Nebraska tout côté le sotia côté que monsieur c'est un nèg qui pas très connu avant que Kamala Harris choisisse mais Konya li vinn très connu parce que Konya li c'est colistier Kamala Harris. Donc c'était troisième soirée li te mette comme d'habitude un paquet de grands noms qui sorti dans parti démocrate là à côté de l'autre monde encore qui des grandes figures médiatiques par exemple et nous capable dit Oprah Winfrey nous te gain tout Stevie Wonder gros musicien ça avec sans oublier un monde tant et Cory Booker qui sorti dans New Jersey et pral gain tout Bill Clinton. Bill Clinton ancien président et américain les mêmes grand pile monde qui t'attend ni. C'est sûr que l'avancée en âge, mais ou toujours senti expression toujours là. Et lui-même, il était doux que l'utiliser expérience li, non seulement dans la Maison Blanche, mais c'est un monde qui fait plusieurs dizaines d'années à suivre convention démocrate là. Et il était venu expliquer pour qui ça, yon monde doit choisir Kamala Harris sous Donald Trump. Il dit parce que Donald Trump, c'est moi-même, alors que et Kamala Harris, lui-même, c'est tout peuple là que l'ouel. Donc c'est une soirée qui était absolument spéciale et surtout si on titre qu'on tape by soirée, c'est que Tim Walz lui-même l'a accepté. Choix délégué américain, délégué Parti démocrate l'a fait pour choisir comme candidat pour une vice-président les États-Unis. En allant ça plus près. Troisième soirée convention nationale Parti démocrate là dans United Center dans Chicago. Gouverneur Tim Walz accepté nomination Parti comme candidat pour vice-président dans élection novembre. C'était une soirée qui était réunie encore sous plateforme United Center quelques grandes célébrités Parti parmi eux ancien président Bill Clinton qui mandait peuple américain pour choisir Kamala Harris sous Donald Trump. Kamala Harris for the people. Kamala Harris c'est pour peuple là. Mais l'autre camarade là, il pouvait une autre fois encore, c'est en question de tête li. Moi-même et moi-même encore. Ancien président Bill Clinton c'est un orateur qui a tant en pile dans soirée.
Clinton, qui était assisté toute convention démocrate depuis 1972, inspiré de propre expérience dans la Maison Blanche pour expliquer pour qui ça lui pensait, vice-président Kamala Harris, c'est son meilleur choix dans l'élection novembre. Kamala Harris a fait effort pour résoudre le problème, saisir l'opportunité, calmer crainte et veiller pour chaque grain américain, quelle que soit façon de voter, joindre un moyen pour le réaliser rêver. Même Jean Hack lundi et mardi, c'était une soirée riche. Mais le moment qui t'a pris le plus important, c'est le gouverneur Minnesota, Tim Walz, t'a pris le délivré discours d'acceptation. It's the honor of my life. C'est un honneur pour moi, honneur ravime pour m'accepter nomination nous pour candidat pour tourner vice-président les États-Unis. Pour un pile moun nan foule là et moun qui t'a suivre convention que ce soit dans télévision ou bien dans réseaux sociaux, et mes discours gouverneur Walz, c'était une introduction. I grew up in Butte, Nebraska. Moi grandi dans Butte dans Nebraska, yon ti ville qui gen 400 habitants. Dans lycée moi te gen 24 ti moun nan classe moi. Aucun nan yo pas taliel. Mais m'a dit nous, les m'a grandi dans une ville comme ça, moi apprend chaque moun doit prendre soin yon lot. Tim Walz, c'est un vétéran dans la main, un ancien professeur et entraîneur football et basketball dans l'école américaine. En plus, le monde pensait, élément ça yo qui bien chita dans la biographie parel pour une carrière politique. But it was those players and my students. C'est joueurs ça yo, ak étudiants yo qui t'ai poussé à le candidat dans congrès. Yo t'ai wè nan moi tout ça que moi-même m'étais enseigné yo qui c'est engagement en faveur bien commun, compréhension que nous toutes nous dans même bateau a, à conviction que yo seul moun ka fait une grosse différence dans la vie moun ka vive bon côté. Et gouverneur Walz t'a pral fini discours là à qui ont éloge pour liberté et li précisé yo même démocrate yo choisi liberté. But when we Democrats talk about freedom, liberté pour choisir ça qui bon pour nous, pour santé, liberté pour voir ti moun ou l'école sans ou pas besoin pè pour un bal marron pas prendre. Et question ça t'est dans mi-temps tout thème que démocrate t'a évoqué, par exemple droit reproductif, question sur environnement, sécurité sous frontière. Et puis dans occasion quatrième et dernière soirée, Kamala Harris pral présenté by délégué discours d'acceptation pour le dire non seulement il accepté choix délégué mais pour le remercier pour confiance là pour la représenter parti démocrate là dans élection novembre. Jacqueline, une convention qui a passé jusqu'à présent très bien. Pendant qu'on sous place, dis-nous qu'on y a là, ou ben nous idée de qui ça a passé de yo, est-ce que y a toujours manifestation? Et puis, pour jeudi, qui c'est, nous, on dit tout à l'heure là, le contrat, oui, beau, gros jour final là, qui ça gagne dans la programmation pour jeudi? Bon, d'abord, t'es gagné, yo te prévoit, et il y a une grosse manifestation qui t'a faite, mais pour dans la zone, dans le périmètre côté United Center, où il y a des petits groupes de monde qui continuent à toujours avec moi à faire des manifestations et contre la guerre Israël-Hamas. Mais pour côté nous là, ou capable d'entendre son yo, c'est ambiance là, c'est décor qui continue de planter pour asseoir. Kamala Harris prend la parole pour lui tant nous sommes dit tout à l'heure pour le capable remercier délégué et pour le capable dire merci de ce que vous faites choix de lui pour le représenter parti dans l'élection qui va se dérouler en novembre prochain. Mais tout yo et des spécialistes qui déjà prévoient ça va dire dans discours notamment il va présenter héritage que Joe Biden quitté pour lui et qui je la remercier Joe Biden pour ça le fait pour pays pour ça l'a continuer fait pour pays mais il va présenter tête li tout comme un monde qui a fait l'histoire un monde qui sont maman classe moyenne parce que toute campagne là a déroulé autour de la classe moyenne et lui même l'a présenté tête li comme un champion de la classe moyenne parce que il gagne des bagages que le vive que le capable est associé avec classe moyenne. Donc assoya c'est gros joie côté que nous allons suivre et discours d'acceptation Kamala Harris. On dit que nous censé casser rendez-vous ensemble avec vous Jacqueline moi-même avec vous n'a pas et tout le monde qui branché là yo. Rendez-vous assoya c'est 9h 9h30 du soir sous plateforme VOA Creole pour nous suivre discours ça et souvler et ben dernier jour convention Parti démocrate depuis ville Chicago. Merci Jacqueline Bélizère depuis ville Chicago. La prochaine actualité pour une fois qu'on est que si parti démocrate dans lui-même et ben li en pleine convention que l'a fait là dans moment nous sommes là dans ville Chicago ancien président Donald Trump lui-même a essayé ouais s'il capable mener actualité à virer lumière nouvelle yo sous lui c'est comme ça que il était fait jeudi à et ben un gros meeting un meeting campagne qui était fait dehors et c'est une campagne qui était faite dehors meeting n'était fait pas dehors c'est première fois qu'il fait ça depuis après qu'il était font tentative assassinat contre lui.
Hier mercredi, dans l'État Caroline du Nord, Donald Trump a organisé le premier rassemblement qui était fait dehors depuis qu'il était si vive tentative d'assassinat qui était faite contre lui mois passé. Il était critiqué approche vice-président Kamala Harris sous affaire sécurité nationale là dans quatre voyages pendant une semaine à travers le pays. Une façon pour essayer de dévier l'attention démocrate sous convention nationale ça qui a déroulé dans la ville de Chicago. Si camarade Kamala gagne élection en novembre ça, c'est garanti que troisième guerre mondiale là a privé. Tout ça li manyen, li détruit, tout ça li manyen. Gardez ville, li te procureur district là dans ville San Francisco. Et côté ça tourner you l'enfer. Donald Trump te blâmé actuel locataire Maison Blanche pour retrait troupes dans Afghanistan avec tout la guerre entre la Russie et l'Ukraine et puis tout la guerre entre Israël et Hamas. No one will ever forget the horrifying images of their catastrophic retreat from Afghanistan. Personne pas jamais oublié image terrible retrait catastrophique troupes yo sorti dans Afghanistan. Afghan désespéré yo té mouri en bas ou avion cargo américain qui té à 3000 pieds en l'air. Terroriste qui té soif sans yo té sauvé sorti dans prison yo après que Biden ak Harris té rend ville Bagram qui c'est une nan pi gros base militaire aérien dans monde là. Donald Trump té parlé dans espace North Carolina Aviation Museum and Hall of Fame, deye yon podium qui était entouré par vide blindé qui pa ka pran bal, qui était formé yon mirai protection à travers estrade côté que te campé nan cadre mezi sécurité qui était mette sous pied, qui était visé pour bay ancien président sécurité après que te échappé en bas yon attentat assassinat nan Pennsylvanie nan date 13 juillet. Yo te empilé gros conteneur dépôt aux alentours périmètre côté que t'a parlé à pour créer yon barrage additionnel qui bloquait ligne vision G n'importe tiré professionnel qui t'a positionné sous docaille aux alentours local là. Te gagné tout ancien avion yo qui t'est posté derrière podium nan et puis yon gros drapeau américain qui t'est croché sous deux trépieds. Événement ça que campagne Donald Trump t'a organisé t'est concentré sous problème sécurité nationale là et il fait partie de une série programme contre convention démocratie que Donald Trump a mené pour une semaine pendant déroulement convention nationale démocratique qui sous pied dans ville Chicago. Allié Donald Trump a demandé pour concentrer plus sur politique au lieu que le fait attaque personnelle pendant que la gourmet pour adapter tête dans la course électorale ça contre Kamala Harris après que président Joe Biden t'ait abandonné course là. Donc de nouvelle actualité a, et ben c'est sanction ça que pays les États-Unis prend contre ancien président Joseph Michel Martelly. En pile réaction continue à tomber. Nous pas le présenter quelques réactions journée jeudi en une autre fois encore toujours question réaction. Et ben c'est dans pays d'Haïti pendant une visite que le t'a fait dans pays dans ville au Cap on nous dit c'est en Haïti que ça l'a fait. Et ben premier ministre Gary Conny t'a réagi, il t'a demandé pays amis Haïti qui lui même prend sanction qui veut dire les États-Unis puis il t'a partagé ensemble avec lui information que yo gagné. N'a pour joindre Gérard Maximo depuis ville au Cap qui t'a prend réaction. Déclaration Premier ministre Gary Conny. Population haïtienne dans le vent jour et elle tendait que un pays de ses amis qui a pile moyen annoncer que l'ancien président que l'élu fait des choses qui sont assez graves. Population voulait comprendre. Il voulait gagner information, il voulait qu'un détail, il voulait appréhender ce qui passait. Donc responsabilité de l'État, c'est avant tout pour que le ministre de justice là mande des amis. S'il vous plaît, partagez avec moi la documentation, partagez avec moi l'information pour que je comprenne ce qui se passe. Mais deuxièmement, il faut que l'institution responsable pour ça, yo même tout, yo qu'à regarder ce qui se passe à peu près, yo qu'à essayer de comprendre, pour yo venir expliquer à la population qui ça bagaille là y est en réalité, qui fondement gagne dans ça, et côté, bah, ça soit. Donc, responsabilité de l'État, c'est ça. Mais comme je dis, non, qui est très important. Une raison qui fait que ces paysans minots cap sanctionnés, c'est parce que le système justice panois pas fonctionné. Si le système justice panois t'est fonctionné, si nous te prenons responsabilité nous pour que gagner imputabilité, nous pas t'as besoin c'est l'autre zamino qu'obligé l'autre pays va te faire ça. Merci Gérard Maxino. On a appris encore une fois, c'était Premier ministre Gary Conny qui t'a réagi depuis ville au Cap sous sanction, ça, que puis les États-Unis prennent contre ancien président Joseph Michel Martelly. Toujours réaction. Fois ça, nous pour aller dans la cour Miami. Dans Miami, on a pour joindre Luxon Saint-Ville qui même promenait caméra avec Micoli pour faire un micro-trottoir pour comprendre et le tendez qui, Jean, quelques monde dans la cour Miami a réagi. Qui ça a pensé de sanction, ça, que puis les États-Unis prennent contre ancien président Joseph Michel Martelly? Jean nous capable c'est en bas la pli dans Florida nous t'ai traîné micro nous pour nous prendre impression quelques citoyens haïtiens sous sanction que pays les États-Unis à travers département trésor américain prend contre ancien président Michel Joseph Martelly.
son sujet qui est extrêmement sensible, moun yo pas vraiment envie parler. Mais quelqu'un moun qui réussit ba nous ou bien casser Timoso la parole avec nous. Fait qu'on est d'abord, c'est une sanction qui pas étonné yo, yo bien accueilli. Cependant, il aurait été un petit cas sceptique quant à suivi qui qu'a fait après sanction ça yo. Plusieurs là dans yo dit nous Martelly toujours dans Florida a continuer fonctionner. Il aurait été quoi? C'est une sanction qui t'a doué plus sérieux et gain l'autre monde qui t'a doué sous liste ça. Moi d'après Jean Barayo et d'après Jean de connaître moi il mérite ça. Il mérite pour la pour gain sanction. Sous lui. Parce que étant un ancien président, c'est pas ça que vous nous attendez de lui-même. Pour moi-même, je prends une bonne décision. Ok? Je prends une bonne décision parce que côté pays est là, c'est eux-mêmes qui causent. Pays a plein de gangs tout partout, c'est eux-mêmes qui mettent des âmes dans les mains. Je suis capable de dire qu'il m'a fait sur le cartement de l'ex-président au bagage, il n'est pas d'accord. Et puis, je te serre la police, on se sent qu'il a déjà eu un coup de travail. Et ça, ça me décale. Eh bon ton dat matériel là qu'on a comment avec qu'on a sanction ça veut dire on a mené enquête et qu'on a découvert quelque bagaille non sanction pour les États-Unis bon peuple là remet matériel ils sont pas qu'il y a d'autres sanctions qui continuer non pas toi qu'il est temps qu'il est arrivé pour être arrivé sous matériel maintenant ça s'est arrivé sous matériel là d'après ça m'entendre dans l'arrière m'pas satisfait matériel c'est là qu'il est là en Floride si ça ça veut dire un nom de coup matériel. C'était qu'à vous, il y a maté, il descend en Haïti, peut-être qu'il y a une fièvre. Peut-être qu'il y a une fièvre, et puis il y a un côté pour elle, TK, il y a un soin. Mais il y a un côté pour elle, mais il y a une cause, il n'y a pas aller, et puis peut-être qu'il y a une tête liée, elle descend, il y a descend en bas. Maté, normalement, tu as toujours dit qui est lié. Et malheureusement, Maté, il est arrivé président, mais il a toujours dit qui est lié. Sanction pour moi-même. Il faut sanction aller plus loin, puisque Matéli, nous connaissons un homme fort, il faut que sanction aller au-delà. En attendant, il y a l'autre étape qui franchit dans le dossier à Michel Joseph Martelly avec groupe les suites, mais qui est programmé pour 3 balles ici aux États-Unis. Il y a une fête dans New York, dans le cadre week-end Labor Day, il y a l'autre dans New Jersey et un dernier dans la ville Washington. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Merci Luçon Séville, n'a viré page actualité à fois ça pour notre international là et l'international on a fort connait que nous pour aller dans Moyen-Orient côté que plus passer 100 000 présidents dans Gaza continue à déplacer ceci en bas l'ordre l'armée Israël côté que jusqu'à présent ils continuent à chercher pour joindre ou camper tirer dans affaire la guerre en Gaza. Gentil Junior Augustin, reportage. Plus passé 100 000 Palestiniens qui déplacés dans le centre Gaza continuent à déplacer toujours. C'est ça, yon responsable Biro Nations Unies pour coordination affaires humanitaires. OCHA, dimadi 20 août 2024 là. Jeudi 22 août 2024 là, l'armée Israël là, bay nouveau l'ordre pour Palestiniens quitter zone de Halbala à Khan Younis. Jonathan Whitehall, c'est un dirigeant dans le bureau de l'ONU qui coordonne les affaires humanitaires. Il dit, dans les derniers jours, il y a un nouveau ordre d'évacuation concerné plus passé 100 000 personnes qui ont déjà mis dehors dans la région Khan Younis et de Halbala. Ils ont déplacé seulement à quelques petits bagages personnels. Et puis, y a cherché yon côté pour yon prendre yon abri temporaire. Misère résident yo nan de Halbala qui yon l'autre fois encore nan mouvement pour yon chapper en bas bataille yo. Vin pi grave pendant y a tann jusqu'à présent yon accord pour suspendre tirer qui paraît ici passé. Hamjad Mekdad, yon déplacé palestinien dit: nous déplacer plusieurs fois et puis kounyeya nous pas konnen ki côté pou nan ale. Nous pral déplacer ak ti moun nou yo ak fam yo lè li fin jou et puis espérer que situation sa pral fini. C'est pas seulement résident nan de Halbala k'ap déplacer. Résident nan Khan Younis nan pati l'ouest Gaza yo même tout pété kouri après l'armée Israël la te bay lòd pou yo kite zon nan. Hamed Habu Rejala, yon déplacé dit:
C'est la mort qui gen plus pitié pour nous dans pays ça. C'est la mort qui gen plus pitié pour nous dans pays ça. Nous déplacer 20 fois déjà. Moins sermenté, caille nous, attente nous craser. Yo pas voulez nous vivre. Oh bon Dieu, yo pas voulez nous jouir la vie nous dit tout. Pi fort nan 2.3 millions résidents Gaza yo te déplacé plusieurs fois depuis commencement la guerre entre Hamas ak l'armée Israël la. Même nan zon yo di ki gen sécurité yo, toujours gen nouvelle ki rapporte victime après chaque frappe l'armée Israël la. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil Augustin Junior, m'a prêt pour brancher VOA Creole ou nan rendez-vous info. N'a salué en façon spéciale tout affilié nous yo k'ap retransmettre rendez-vous info à travers sous territoire national là et quelque soit côté. Dans 30 secondes l'en tourner, n'a pas entré dans actualité à depuis pays d'Haïti. Actualité nouvelle après poursuivre dans rendez-vous info fois ça nous dans pays d'Haïti même sous actualité là faut qu'on ait que formation conseil électoral provisoire commencé faite c'est comme ça que conseil présidentiel transition by secteur qui concerné jusqu'à date 26 d'août ça puis envoyer non représentant dans conseil électoral provisoire à nous suivre un reportage correspondant nous sous place depuis Port-au-Prince Yves Manuel. Conseil présidentiel transition nan yon communiqué qui daté 20 août 2024 là cementé date 28 août 2024 là a respecté pour formation conseil électoral provisoire. CPTA conscient de cause retard qui constaté dans processus formation conseil électoral là par conséquent branche exécutif là accordé à secteur qui poko désigner représentant yo yon délai en plus cap terminé lundi 26 d'août 2024 pour communiquer choix yo. KEPA a formé d'ici fin mois d'août 2024 là s'il fait confiance à explication membre conseil présidentiel transition. Conseiller présidentiel yo a analysé cause retard qui gen pouwe ak formation conseil électoral provisoire étant donné que retard ça li expliqué par diverses raisons tant que contestation qui a fait bon côté certaines institutions ak organisation même secteur gagne tout yon l'autre côté thème référence là qui pas respecté bon côté organisation ça yo. D'après directeur exécutif organisation citoyenne pour Yon Nouvelle Haïti au CNH, M. Camille Oxius, secteur droit mounan a bien pour communiquer non représentant yon dans le conseil présidentiel transition vendredi 23 d'août. N'a souligné, la presse avec l'église catholique, c'est deux secteurs qui pas fait objet de contestation dans désignation représentant Mamio dans le conseil électoral provisoire. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel, toujours dans Port-au-Prince, la prêté pour une fois qu'on est que correspondant sous place. Ou dans Toussaint, et suivre pour nous une conférence pour la presse que Maître Arnel Rémy, ensemble avec une journaliste, te baille sur question rapport ça. Rapport ça que DCPJ te fait. DCPJ sorti à rapport ça et dans rapport à l'icité, non plusieurs journalistes. En aller avec Ou dans Toussaint. Nous voulons faire action en habeas corpus préventif. Parce que il y a une menace contre la liberté individuelle de ces clients, de ces journalistes. Maître Arnel Rémy, qui présentait tête li comme avocat quatre journalistes haïtiens, n'a yo figuré dans un quelconque rapport de CPJ qui veut connaître que Librel fait une action en habeas corpus préventif le fait que il y a une menace contre la liberté individuelle contre client yo. On pas obligé tant que DCPJ voue rapport là. Dans parquet. On va obligé tant que DCPJ arrêter monsieur. Donc moi-même comme avocat, rôle moi vini. Rôle moi c'est accompagner client, faire procédure pour protéger liberté client. Et travail ça, n'a saisi le tribunal de première instance pour faire habeas corpus préventif là parce que son référé sur le plan individuel que lié. Maintenant pour nous dire écoutez doyen, bon rapport qui sorti. Bon journaliste qui a arrêté que tu as fait de toi déclaration, qui t'a dit que journaliste t'a gagné quelconque lien avec Bandi. Mais qu'on a puisque on connaît droit son science de preuve lié. Donnez-moi les faits, je vous donne le droit. Maître Anne Rémy dit l'abgoumen pour faire respecter droit journaliste, il estimé d'après la loi
qui gen droit parler ak n'importe moun en respectant règle républicaine yo. C'est un dossier que n'ap sur pour Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint et nous connaissons que jeudi à c'est jeudi pas vrai chaque jeudi eh ben mesdames femmes yo gen place yo dans VOA Creole c'est cause et femmes et fois ça nous pral rencontrer avec madame Aldine Davis Hallman qui c'est une dame qui est même dans 60 ans et eh ben elle toujours participé dans plusieurs conventions parti démocrate là et année ça une autre fois encore elle répond présent nous pral suivre avec Obed Lamy un reportage et cause et femmes ça qui pral parler avec dame ça il pral expliquer qui je depuis combien années la suivre les conventions ça et année ça répond présent son exercice démocratique que le très apprécié. En aller avec Obed Lamy, nous n'en causé femme. Pour réaliser convention EOA, Parti démocrate l'a mobilisé plus passé 12 000 volontaires. Parmi eux, il y a Aldine, une dame qui n'a 60 ans qui sortit dans l'État Arizona. I believe that American people just regularly. Moi, quoi, peuple américain, et spécialement citoyen ordinaire, doit participer dans le processus démocratie. Ou t'as saisi, ouais, toute quantité de travail qui fait juste pour mettre convention ça sous pied. Là où est intervenant ça sous scène hier soir, c'est plusieurs monde qui travaillent ensemble dans coulisses pour assurer le programme bien déroulé, besoin au satisfait et tout discours bien passé. C'est un processus qui est vraiment intéressant. En général, volontaires ont commencé à arriver dans ce stade-là depuis 10 ans matin pour une journée de travail qui finit bien tard à soir. Ils ont fait plusieurs qualités de job, soit dans l'accueil, transportation, médias et sécurité. Aldine ba nou yon l'idée sur comment journée li déroulé dans convention. So I'm working in production. Moi ap travaille dans production. Donc activité nous fait tout d'abord c'est vérifier quatre identifications intervenants qui a entré et puis mener yo dans coulisses là. Après ça nous mener yo dans salle pour faire cheveux avec maquillage et puis connecter yo avec orateur yo pour capable réviser discours yo et puis assurer tout bagaille yo bien passé. Après ça nous mener yo dans salle côté pour cadre temps yo avant remonter sur scène là. Toute étape ça ressemble simple mais c'est vraiment compliqué. Et nous avons plus passé 15 000 personnes qui mettaient ensemble pour faire travail ça. C'était dans l'année 1984, dans la ville de San Francisco, Californie, Aldine te fait première expérience volontariat dans la convention démocrate. Parce qu'elle a raté l'événement ça seulement deux fois, année ça allait sur 8e convention li, et une des choses qui différent comparé à l'année passée, c'est la participation jeune. En général, les jeunes qui viennent à la convention, c'est souvent parce qu'ils ont accompagné parents ou sinon ils viennent juste pour l'expérience. Mais les jeunes qui sont au moins dans la convention année ça, ils prennent un job vraiment au sérieux. Pas qu'ils ont seul débat maintenant coulisses l'an côté jeune moun yo pas en charge et puis yo fait vraiment un bel travail ou t'es pas pour gagner en télévision hier soir li fait sans faute tout bagay allait bien rapide c'est parce que gen pile jeune moun qui mette maintenant pat la derrière scène c'est vraiment excitant c'est comme ça États-Unis doyé c'est comme ça processus l'an doyé. Les conventions ont fini, Aldine a retourné dans le travail régulier li comme consultant dans un magasin meuble dans Arizona. Et puis il dit qu'il a continué à participer dans la campagne pour aider Kamala Harris à gagner l'élection. Mais est-ce qu'il compte faire volontariat encore dans la convention 2028 là? Chaque fois que j'allais dans une convention, je dis tête moins ces dernières conventions m'a fait parce que yo fait un travail trop dit. Et puis là me retourner la caïman, j'ai une autre convention et puis moi commencer travail sous les pires. Donc c'est comme ça est. Obed Lamy, pouvez-vous accueillir depuis Chicago? Merci Obed Lamy, c'était section ça que nous réservait pour mesdames femmes dans VOA Creole qui s'est causé femme, c'est chaque jeudi que nous avons causé femme. Et bien c'est sous notre ça, amis internautes, amis téléspectateurs, nous même qui branchés VOA Creole, nous pral rive bout déjà dans bulletin nouvelle nous pour journée jeudi à rendez-vous info, n'a saluer tout affilié au cap pour retransmettre édition rendez-vous info à travers territoire national là et certainement quelque soit côté à travers le monde. Mais grand point que nous avons développé journée jeudi ensemble avec vous, nous te joindre réaction sous sanction ça que pays les États-Unis prend contre ancien président Joseph Michel Martelly. Parmi réaction yo, nous te joignons réaction Premier ministre Gary Conille depuis Haïti. Il te réagit et puis gouvernement lui-même avec secteur concerné yo, il a travaillé pour formation conseil électoral provisoire là. Et puis ici aux États-Unis, Donald Trump lui-même t'a organisé et ben un rassemblement campagne qui t'est fait dehors. C'est première fois que le tournait dehors pour faire campagne après que t'es font tentative assassinat contre lui dans mois qui saute passé là. C'est grand titre ça qui t'est développé pour journée aujourd'hui en appelé que Assoya branché oui. Soit à 9h30 ou émission spéciale. Jacqueline Bélizère, depuis Ville Chicago, a pu joindre maintenant studio Washington DC pour nous présenter une émission spéciale sous dernier jour convention Parti démocrate là, ou émission qu'on pas raté. Et puis certainement, on a salué tout le monde qui te permet de nous réaliser émission ça. Jean-Marc Hervé Abela, qui lui-même à la il est sous table contrôle là. Merci Jean-Marc Hervé Abela. Bonsoir tout le monde. Rendez-vous demain, ou du moins, rendez-vous à soir. Non, pas, c'était Valério Saint-Louis. Que Matéli suite Miki. Que Matéli a dirigé, ta nan parcours, te kousou chat a joué, n'importe sa rivé,
sous parcours, yo responsable de ça. Et pas moi qui dit, c'est le haïtien qui dit. Et nous allons finir avec détails sur ça et déclaration au désir menace. En pile nèg en Haïti qui c'était gros tête, gros membre dans PHTK dans moment, nèg yo gè gros problème et en pile nèg qui était dans pouvoir Matelien et qui t'a investi ensemble avec Mateli, nèg yo commencé gè problème et yo commencé dans gros courri. Désir menace, gè causé, gè nouvelle. Dans la question service intelligence palais national, selon conseiller observateur qui c'est Frinel Joseph, monsieur ta ou interview avec Marie-Louise Sibonhomme, monsieur mouté clairement que oui, la présidence que je dis avec 9 conseillers, y a une enveloppe de 25 millions de goudes pour service intelligence la présidence. En raison que chaque conseil présidentiel t'a gagné une somme de 2.5 millions de goudes nommé yo pour service intelligence personnel yo. Très bien. Elle dit 25 millions de goudes c'est pour service intelligence la présidence. Je dis en là mais chaque conseiller qui a même fait partie et mes conseillers en là, il y a toutes des possibilités, il y a 2.5 millions de goudes nommé yo pour que yo capable eh bien gérer service intelligence yo. Pour qui ça côté nèg yo abdormi deuxième résidence est-ce que zone côté safe tout bail ça yo alors que gen moun ka pose question pour qui ça c'est pas un système on dit une entité en deux de palais national quel lui même qui prend en charge service intelligence la présidence là la présidence gen service intelligence li ministère intérieur gen service intelligence li la primatique et service li, ministère de justice et service li, la police et service li. Mais kounya an gade, qui sa résultat, service intelligence sa ou bay en termes de résultat. Jusqu'à présent, vous ka gade, poko ge aucune action pose nan intérêt moun an di ke en termes de institution sa yo. Sinon, président Jovenel Moïse pata assassiné comme ça. Si service la présidence a décaissé toute l'agence ça ou bien que Macron gobelte sous Jovenel eh bien t'as droit gagner de disposition qui te prend pour te empêcher que Jovenel Moïse pour pas assassiner dans niveau ça en tout cas Désir Venesse nous pourrons parler et nous pourrons questionner ensemble des points ça Désir Venesse. Très bien, Blaise Peterson, ancien président Michel Joseph Matéli, et qui était sous pouvoir sorti 2011 pour arriver 2016, qui pour qu'on y a dans Miami, pendant la recherche, je ne permis de travailler, eh bien, et autorité dans les États-Unis d'Amérique, surtout département Trésor et États-Unis d'Amérique, eh bien, prend disposition pour sanctionner Michel Joseph Matéli pour participation dans ce qui est pour avec trafic de drogue. D'après information Miami Herald rapportée, Blaise Peterson, avocat Michel Joseph Matéli a confirmé présence client nien dans Miami pendant qu'il refusait faire commenter plus. Cependant, il précisait que Matéli t'a considéré comme appliqué pour un permis de travail dans zone côté il trouvait là Blaise Peterson. Impact sanction sur Michel Joseph Matéli côté sanction et bureau contrôle bien étranger américain au FAC prend pour interdire institution financière américain yo by Michel Joseph Matéli prêt au soir crédit. En plus de ça, toute transaction l'argent qui dans juridiction États-Unis côté Matéli gain yon intérêt est ben pratiquement interdit citoyen américain yo et yo interdit tout pour yo investi dans action ancien président haïtien ou soit dans dette qu'il capable gain Blaise Peterson. Mais si ça yo c'est une réponse directe à soi-disant complicité Michel Joseph Matéli dans trafic de drogue illégal mondial d'après au FAC. Mot clé Michel Joseph Matéli sanction américain et permis travail Miami trafic de drogue au FAC finance dans ça qui vient pour avec un pays les États-Unis d'Amérique. Dans ça qui concerne les questions corruption dans le pays d'Haïti, faut que nous disions Blaise Peterson et coup d'appel Port-au-Prince libéré ancienne directrice caisse assistance sociale là madame Edwin Tonton qui c'est ancien comptable institution et côté Pierre Richard Vallès yon libération et provisoire pour raison humanitaire sous demande avocale qui tape défendre et
de akize si la ou nan kat dosye korupsyon Blaise Peterson. Konsey prezidansyel transisyon nan peyi d'Haïti. Nan sa ki gen pouwe, yo akorde yon dele 4 jou ki kap vini avèk ekspirasyon nan lundi ki ap 26 daout pou sektèr ki pou gen mamb nan konsey prezidansyel. Non, pardon, se pito e nan konsey elektoral provizwa la, se sa ki ap gade, yo gen dele e jiska 4 jou pou yo bay moun paye wa. À part de ça, il y a bien pour prendre décision dans ça qui est pour avec question et si là, la situation. Question insécurité en dedans pays, la médecine manchette, c'est non, un nouveau groupe gang qui formé dans Saint-Jean du Sud. D'après ça, agent exécutif intérimaire Joseph Estimé Dupont fait qu'on est une gang qui déjà commet divers crimes, lui souligner, bien mandat. Mais la police n'a pas de machine pour exécuter le mandat. Si nous avons fait un coup de pied dans le département de la Tibonite, et respectivement dans la juridiction des Gonaïves, commissaire juridiction des Gonaïves, là, Maître Guiverna Guillaume, adressé une lettre avec le directeur départemental de police, M. Jean-Louis Paul Minard, pour dire depuis novembre 2023, il y a 47 mandats qui n'ont pas suivi d'exécution et le mandat. Pour directeur départemental avec la police, force l'audio, dans le département de la Tibonite, arrangé pour exécuter le mandat sa yo, qui était bail contre bandits, cocorat sans ratio, qui pratiquement empêché la population à traverser divers espaces, surtout sur route nationale numéro et en sortie l'Esther pour venir dans la commune Gonaïve. Merci personne. Pendant passage, ambassade des pays les États-Unis en Haïti, dans la ville au Cap, mardi qui était 20 août 2024, ambassade américaine. Denis Hankins salue sanction yo pran contre Michel Joseph Martelly. Li profite di États-Unis pa gagnen solution tout fait face avec problème insécurité qui gagnen en dedans pays d'Haïti. Solution c'est dans mes haïtiens liés avant tout selon ambassadeur pays des États-Unis en Haïti. Nous voulons parler de Denis Hankins qui prend disposition si là. Dossier insécurité toujours. Et si la yo ki pratiquement trouvé dans situation très difficile, coordination qui lié avec question promotion pour dynamisation et canapé vert, adressé yon correspondance avec ministre justice pour mandel pour prendre disposition lui-même avec directeur police nationale d'Haïti qui ka permettre que yon renforce force de l'audio dans la communauté ka permettre que population au moins joigne sécurité. Il y a divers avocats, les personnes qui prononcé sous question Michel Joseph Martelly. Et pas oublier les Canada et les sanctions. Les groupes experts des Nations Unies ont déjà dit que Michel Joseph Martelly a participé dans ensemble distribution Zamba en équipe jeune garçon dans le quartier populaire. Nous pouvons questionner, nous pouvons analyser avec Zami et un autre qui branche tout partout parce que la situation de jour en jour la vie plus difficile. Blaise Peterson dans ce qui a passé. Et pas oublier, il y a des confrères des médias traditionnels, médias en ligne, qui pratiquement dans le collimateur de CPJ. Qui mandé pour ta mettre mandat d'amener contre Moussa. Il y a des confrères qui s'est dit, qui s'est gardé dans l'analyse, ils ont dit que DCPJ t'a voué ventre parce que lui mandé arrêter yon ensemble journaliste, parmi journalistes, un journaliste femme qui travaille pour la Voix de l'Amérique et pour question assassinat, viol, kidnapping, trafic d'armes, ak munitions, parce que journaliste habitué à le couvrir, conférence chef gang barbecue à bay et. Moun yo fait quoi? C'est vraiment yon bouillie vide, le ou lié journaliste yo nan question sa ou nan question et assassinat, viol, vol, kidnapping, trafic d'zam ak munition. Et cependant, ou pas gen prè pour prouver côté journaliste yo te inscrit nan modèle pratique sa ou. Sou parle de viol, qui est-ce que journaliste sa te violé? Sou parle de vol, bagay ki moun ke journaliste sa te volé? Sou parle de trafic d'zam, à qui est-ce que journaliste sa te ach? Non, mais qui est-ce que te ach d'zam? À qui est-ce que te revend d'zam? Sou parle de trafic munition, qui côté journaliste? Est-ce que c'est microphone yo? Est-ce que c'est caméra yo? Est-ce que c'est téléphone yo? Et qui rentre yo directement dans trafic d'zam di gen? En pile comparaison, comparaison, moun yo ap essayé di, est-ce que la DCPJ a arrangé pour questionner CNN, France 24, France 2, France 1, et tout l'autre média international, des personnes qui pratiquement, qu'on vient faire interview avec Bandi, qui est au niveau capital là, si vous parlez des relations, des personnes, relations livas, est-ce que DCPJ pas imaginé pour CNN, pour France 24, vient en Haïti, vient interviewer Bandi, ou bien vient faire reportage avec Bandi, lui établit une relation de près et de loin, soit direct ou indirect, qui a garanti journalistes internationaux pour venir dans le pays en Blaise Peterson. Si Kounia, DCPJ, gagne des preuves tangibles sous confrères qui sont monnayés par les groupes armés
par les terroristes dans le pays d'Haïti. Pour faire job, ça a pris une blessure personne, qu'il n'y a que des CPJ, il fait travail. Mais en cas où, c'est passé un confrère, qu'on a fait interview avec Bandi, qui permet qu'il attribue avec Bandi, pour moi-même, nous sentons que c'est une menace contre liberté de la presse, qui est une grosse bataille, qui fait pour ça, blessure personne, c'est affaire que des CPJ, autorité de la justice, policiers, ont besoin clair là-dessus, sous question ça, blessure personne. Désir Jean de Dian, dans le dossier, Gébli, c'est prêt pour nous toucher pour nous manger là. Mais dans tout dossier, yo, et ces dossiers, et ancien président Michel Joseph Martelian qui n'a pas gardé d'abord, et nous prenons le gardé avec déclaration ça, que ambassadeur américain en Haïtien, n'a pas de Dennis Hankins qui lui-même réagit concernant dossier sanction que département Trésor États-Unis prend contre ancien président Michel Joseph Martelian. Il est clair que l'ambassadeur Dennis Hankins, monsieur Moutke clairement que États-Unis pas fait abus avec avec Matéli. Il dit ça, il dit, il reproché de Matéli qui c'est trafic et drogue, trafic zam, blanchiment l'argent. Il dit qu'il y a assez éléments preuve non mais yo que avant même yo prend telle décision. Selon ça qu'il dit par ambassadeur Dennis Hankins. Et li montre à clair que jodi an ça qui rive an et ça qui produit an ça qui passe an eh bien yo États-Unis prend des engagements pour qu'elle continue de travail avec le gouvernement américain une façon pour yo capable exactement rive et aider l'État haïtien, aider les peuples haïtiens dans la bataille contre la question de l'insécurité. Nous permettre que le pays soit sorti dans le calfou difficile qu'il trouvait le jour aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Que l'autre jour là, ça que vous voulez comprendre, jour là, ça que vous voulez regarder, eh bien, c'est dit nous, c'est essayer de comprendre, c'est essayer de regarder que la situation qui existe, problème qui gagne, mais qui façon, mais dans qui niveau, qu'il est capable de résoudre. Il doit résoudre, amis internautes. En nous attendant, alors, ambassadeur américain haïtien, Dennis Hankins, qui était entourné dans le Nord, et des journalistes, ils ont même posé la question, ça, sous sanction que département Trésor États-Unis prend compte ancien président Michel Joseph Martelly, Désir Venesse. Devait se faire déjà par rapport au fait qu'on estime que Martelly, l'ex-président haïtien, est l'une des personnalités les plus controversées, est l'une des personnalités et qui aurait participé et au financement des gangs armés et autres. C'est la question de pourquoi maintenant, alors les États-Unis nous sont en état de droit, alors il faut être sûr que quand nous avons pris cette décision aujourd'hui de faire des sanctions personnelles contre l'ancien président, c'était basé sur la détermination que l'ancien président a facilité le trafic de drogue. En 2020, président Biden a fait une déclaration présidentielle qui a donné permission d'imposer les sanctions des États-Unis contre les gens qui font qui sont engagés dans le trafic de drogue. Nous savons depuis longtemps, nous avons travaillé avec plusieurs gouvernements haïtiens pour contrôler le trafic de drogue, parce que ça, c'est un impact direct en rôle de financement des gangs. Et même nous avons vu que l'ancien président a aidé plusieurs gangs. Alors maintenant, c'est le moment que nous avons trouvé assez d'informations au sein du gouvernement pour prendre cette décision. Nous savons que le Canada a fait des sanctions avant et il y a des autres qui doivent faire leur décision au niveau de l'ONU. Mais pour nous, c'était important parce que, bon, si je peux passer en créole, nous, gouvernement états-unien, gouvernement haïtien, nous besoin frapper criminel à cravate, même gens à criminel à examen.
C'est important que, et même aujourd'hui, le secrétaire d'État a dit que n'importe quel rang, quelle position, c'est important que les élites qui font des efforts pour déstabiliser Haïti, pour compliquer la vie des Haïtiens, doivent être traités dans le même sens. Donc vous croyez que l'ex-président est l'un des criminels à la cravate, monsieur l'ambassadeur? Oui, alors c'est dans notre déclaration qu'il était engagé dans le trafic de drogue et il a aidé les groupes, les gangs criminels.